Alors, comme vous savez, j'aime beaucoup cette croix parce qu'elle symbolise tellement. Tiens, c'est un peu fort. Elle symbolise tellement la raison pour laquelle on est là ce matin, pour être réconcilié avec Dieu, pour être proche de Dieu et pour être proches les uns des autres. Avant l'été, on a parlé un peu de la réconciliation, du conflit, des choses comme ça. Axel avait. On avait parlé et on s'est dit qu'on allait en reparler un peu au mois de septembre, parce que c'est tellement fondamental à notre vie. Les conflits, la résolution des conflits, et en fait, il y a tellement de principes, tellement de choses formidables dans la parole, dans la Bible, qui nous aident à comprendre ça, à comprendre les conflits, à les résoudre. Et quand on résout profondément nos conflits, ben, on est heureux, tout simplement, on est en paix, la vie est belle, et c'est la chose qui change notre vie. Et on va commencer par lire ce passage en 2 Corinthiens, et c'est assez frappant ici. Donc Paul parle aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit, voilà, vous êtes des jeunes chrétiens, vous êtes des nouveaux chrétiens, tout ça. Et puis il dit, voilà, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est chrétien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce qui est frappant dans ce passage, il y a 5 fois le mot réconciliation. Voilà. Dieu, il voulait se réconcilier avec nous. Il veut qu'on soit réconciliés avec lui, qu'on soit réconciliés les uns avec les autres. On est dans le ministère de la réconciliation. Bon, c'est bon, on a compris, quoi. OK. Mais c'est tellement le cœur de Dieu, la réconciliation. Et donc, on va approfondir un peu ça ce matin. On va parler des émotions, des conflits, de la réconciliation. Voilà, les conflits, quand il y a des conflits, il y a des émotions. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Tim? Hein, quand tu es en conflit avec ta mère, c'est... Non, je rigole. Non, vous n'êtes jamais en confiance. OK, avec ton père, avec ton père. Avec ton frère, avec ton frère. Tous les jours. Tous les jours. Et tu verras un jour avec ta femme. OK. Quand il y a des conflits... Le challenge, c'est nos émotions, en fait. C'est un peu ce qu'on parle du cortex, du limbique. Ça, c'est nos émotions. Le gros problème du conflit, c'est les émotions. On va faire un petit rappel. Certains, vous avez déjà, on a déjà parlé. D'autres, peut-être, vous découvrez. Mais les conflits, on en a dans tellement de relations. La famille, les voisins, le travail, l'église, etc. Et donc, si on arrive à comprendre comment gérer, comment régler nos conflits, eh ben c'est juste génial. Donc, à la fin, comprendre nos émotions et savoir quoi faire de nos émotions. Pour faire très simple, hein, on a 4 émotions de base, la tristesse, la peur, la joie, la colère. Qu'est-ce qui se passe avec ces émotions? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des photos de mes enfants, là. Ça, c'est Jordan quand il était petit. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La peur. En fait, quand on a peur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se protéger. S'il y a un taureau qui vous fonce dessus, bah, vous avez juste envie de vous protéger, n'est-ce pas? Ou si quelqu'un veut vous faire du mal, eh ben, on veut se protéger. Même à un moment donné, Jésus, les gens voulaient le prendre, le choper, le balancer le long sur une falaise. Il est parti, voilà, il s'est protégé. Donc quand on a peur, voilà, l'émotion, c'est une bonne émotion en fait. On veut se protéger, c'est une bonne chose. La colère, ça c'est Anthony, non. La colère, c'est quoi la colère? En fait, c'est une émotion qui veut... En fait, où on veut dire l'injustice qu'on est en train de vivre. On est en colère parce qu'il y a quelque chose d'injuste. Il y a un truc qu'on nous a fait, n'importe qui, votre mari, votre père, le gouvernement, votre travail, et puis c'est injuste. Et donc, plus c'est injuste, plus on est en colère.
plus on... Et donc, la colère, c'est la manière d'exprimer, on veut exprimer cette injustice. Et c'est une bonne émotion aussi. Jésus, il se mettait en colère. Il était en colère avec les pharisiens parce qu'il voyait de l'injustice. Donc voilà, il n'y a pas d'amour sans justice. On a un Dieu d'amour et de justice. Donc la colère, parfois, bon, c'est pas génial, mais parfois c'est juste. Ensuite, la tristesse. En fait, ça c'est Linda, non. non, c'est pas vrai. La tristesse, c'est quand on a perdu quelqu'un, on a perdu une relation. Donc, ben oui, quand mon père est décédé, il y a une tristesse profonde. C'est douloureux. Et c'est normal, c'est juste. On a peut-être fini une relation, ou on a perdu une relation et ça nous rend triste. On est en train de perdre une relation et ça nous rend triste. Ou alors, on a perdu une chose, quelque chose qui est cassé. On a eu une voiture qui a été cassée à un bon moment et c'était triste. Bon, ça va, c'était pas si grave, elle est réparée. Mais on peut, quand on nous casse quelque chose, on nous prend quelque chose, voilà, on peut être triste parce que voilà, on nous a enlevé. On nous a diminué notre salaire. Ah, oh, je suis triste, mon salaire, il a diminué. Donc la tristesse, c'est ça. Et puis la joie, c'est l'inverse. La joie, c'est quand on a, bien sûr, reçu quelque chose ou quelqu'un. Voilà, on vient de se fiancer, on reçoit une relation incroyable. On sait qu'on va se marier et c'est... Waouh, la joie, elle est juste incroyable. Donc, on reçoit quelque chose. Donc, ça, c'est juste pour simplifier ces quatre émotions. Et maintenant, bah, la question, c'est dans le conflit, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion, à votre avis? Réfléchissez un petit peu, la réponse de votre tête. La joie, bien sûr. Non. On ressent, en fait, les trois émotions négatives. Donc, la tristesse, parce que dans le conflit, on est triste d'être en conflit. On est malheureux. Si je suis en conflit avec ma femme, je suis triste. Je suis pas joyeux. Bien sûr, la colère, parce qu'on a un conflit. Il y a quelque chose d'injuste en ce moment dans cette relation. Voilà. Et puis la peur d'aller parler du conflit, la peur que on se comprenne pas, la peur que ça finisse mal et que on soit plus en relation. Donc en fait. Dans le conflit, on ressent ces trois émotions-là, la tristesse, la colère et la peur. La principale, je pense, c'est quand même la colère dans le conflit, parce qu'il y a une injustice qu'on ressent profondément. Alors maintenant, pour aller encore un peu plus loin avec la conscience, le subconscient, et ensuite on verra des écritures. Vous avez l'image de l'iceberg avec la conscience, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce dont on est conscient. Et puis l'inconscient, c'est caché, c'est au fond de nous, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas. Voilà. Donc dans notre conscience, on a des convictions que c'est bien de se réconcilier. Ah, c'est une bonne chose si je suis en conflit avec ma femme, que je me réconcilie. Ou si je suis en conflit avec mon fils, que je me réconcilie. Ou avec Axel, voilà, ouais, c'est une bonne chose, il faudrait que je me réconcilie. Ouais, mais on ressent quand même toujours ces émotions consciemment. Cette peur, cette colère, cette tristesse. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans notre inconscient, on le ressent, on ne le sait pas, mais c'est multiplié par 10 ou par 100. C'est très profond parce qu'on a eu l'accumulation de plein de conflits pas réglés. Et donc, dans le subconscient, c'est énorme. Et c'est ce qui fait qu'on est un peu paralysé à l'idée d'aller résoudre le conflit. Je dis, hop, ça va être... Et donc, il y a une sorte de bataille entre la conviction sur la réconciliation et puis nos émotions, notre peur, notre colère, notre tristesse, soit consciemment ou inconsciemment. Et donc, c'est une bataille et ce qui fait que la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils vont résoudre leurs conflits. 70% des conflits vont être réglés par l'évitement. Ben, on ne va pas en parler. On n'en parle pas et ça va bien se passer. On ne va pas aller en profondeur. Parce que ça risque de mal se passer, donc on ne le fait pas. Et donc la plupart, que ce soit dans la famille, au travail, dans l'église, on ne va pas en parler. Mais à la fin, c'est la raison principale pour laquelle on quitte la relation. C'est la raison pour laquelle on se sépare, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans un couple,
Parce qu'on a accumulé des conflits sans jamais les régler en profondeur. Et on s'éloigne un peu comme le bateau qui part à la dérive. Et on ne le règle pas vraiment en profondeur, et on s'éloigne, et on s'éloigne. Et à un moment donné, on se dit, le bateau, il est trop loin, bah, je vais pas pouvoir revenir au quai, c'est trop loin. Donc, je me casse, ciao, bye bye, et puis ça ira bien. Et bien sûr, ça résout tout. Non, pas vraiment. On se dit que si je commence avec une autre personne ou dans une autre église, ça va aller mieux. Ben, si on ne règle pas le problème de fond, qui est de résoudre nos émotions et notre colère, etc., et notre tristesse et nos conflits, ben, ça va se répéter. Et ce qui se passe aussi, c'est que les conflits pas résolus dans notre cœur font qu'on va, on va commencer une guerre à l'intérieur de nous-mêmes. On va commencer une bataille, il va y avoir une bataille intérieure qu'on aura du mal à comprendre, à gérer, et puis ça va faire du mal. Je suis persuadé que dans la plupart de nos amis, nos familles, etc., on est au courant de conflits pas réglés et qui se sont envenimés, qui sont devenus énormes. Des pères qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs pères, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Je pourrais en raconter, mais juste dans ma famille et celle... Bref, on pourrait passer la matinée à parler des conflits pas réglés. Et c'est tellement triste. Parce qu'avec les années, ça ne s'améliore pas et ça se dégrade toujours plus et les gens y souffrent toujours plus. En psychologie, on dit même que la dépression, c'est une colère tournée contre soi-même. Donc c'est une colère qu'on n'a pas gérée, qu'on n'a pas réglée, qu'on tourne contre nous-mêmes et ça nous enfonce dans des ténèbres tragiques. Pour beaucoup d'entre nous, cet été, on a passé un super été. On est parti en vacances en Italie, on a fait des camps, on a fait plein de choses géniales. Et puis d'autres ont en fait vécu des choses pas forcément très joyeuses. Ma femme a croisé une copine cette semaine et a parlé de comment c'était l'été. C'était ouais, nous c'était super. Et toi, ben la copine a dit pas du tout, c'était horrible. Un jour cet été, j'ai vu ma fille qui était en train de se pendre. Elle a été sauvée. Mais ça va jusque-là, en fait, les conflits pas réglés. On entend chaque semaine des ados qui se suicident parce qu'il y a des conflits qui ne sont pas réglés correctement et et ça va très loin, en fait. On pourrait parler de plein d'histoires. Donc la résolution du conflit, c'est fondamental pour notre bien-être et le bien-être de nos proches. C'est tellement important. Et c'est pourquoi Jésus, il en parle tellement. Et le cœur du christianisme, c'est la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation les uns avec les autres. Conflit non résolu. Eh bien, cette peur, cette colère, cette tristesse, elle s'accumule dans notre conscient, dans notre subconscient, dans notre âme. Le conflit résolu, eh bien, la joie, elle est là et elle s'accumule aussi dans notre âme. Ce passage est tellement fort en hébreu, où il dit aux chrétiens, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » C'est tellement fort ce passage. C'est une exhortation, c'est un commandement. Recherchez, faites tous vos efforts pour trouver la paix avec tous. Chrétiens, non-chrétiens, famille, faites tous vos efforts et la progression. Et il dit même personne ne verra le Seigneur si on ne fait pas ça. Et puis après, il dit veillez qu'il n'y ait pas de racines d'amertume qui grandissent en vous. Cette peur, cette colère, cette tristesse, c'est les racines d'amertume qui ne sont pas réglées, qui grandissent et qui produisent du trouble. Et beaucoup en sont infectés. En fait, par la suite, si on ne gère pas notre conflit, eh ben, on va aussi infecter les autres. On va aussi entraîner les autres dans notre conflit. Euh,
quand on règle notre conflit, excusez-moi, on va revenir là, il y a un truc qui se passe dans notre cœur et dans notre conscient et inconscient, c'est que la tristesse, elle est remplacée par la joie, la colère est remplacée par la paix, et il n'y a plus de peur dans la relation. Donc qu'est-ce qu'on préfère ? Garder la tristesse, la colère et la peur, ou bien remplacer ça par la paix, la joie et plus avoir peur. Ça vous est arrivé d'avoir quelqu'un, vous dites, moi j'ai peur d'aller lui parler. J'ose pas aller lui parler. Quand une relation est complètement réconciliée, on n'a plus peur. L'amour parfait bannit la peur. On n'a plus peur d'aller parler à cette personne. Si on a toujours peur, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas résolu. Si on a toujours peur d'aller parler à cette personne, il y a quelque chose, il y a une petite racine qui est restée là. La vraie résolution fait que la paix, la joie remplace les autres mauvaises émotions. Moi, ça fait 35 ans maintenant que je suis chrétien. Et ça fait 35 ans que j'essaye de progresser dans la résolution de conflits, que j'essaye de toujours être en paix avec tout le monde autour de moi, à commencer par, bien sûr, le plus de conflits qu'on a, ça va être dans notre famille, hein, ça va être les personnes qu'on voit tous les jours. Et c'est un sentiment tellement super de pouvoir ressentir « je suis en paix avec tout le monde ». Je suis en paix avec tout le monde aujourd'hui. Il n'y a personne avec qui je ressens quoi que ce soit. Ni ma femme, ni mes enfants, ni mes amis, ni vous. Et c'est tellement full feeling, on dit en anglais. Ça comble le cœur. C'est génial. C'est du travail parce que dès qu'il y a un truc qui arrive, hop, il faut le régler. Mais c'est génial. Et à la fin, il n'y a plus ces racines d'amertume qui restent. Peut-être vous avez un conflit avec moi, mais je ne le sais pas. Donc venez voir à la fin. Mais c'est ça le cœur de Jésus, le cœur de Dieu pour nous, c'est que tous les conflits soient réglés et qu'on soit en profonde paix, joie, les uns avec les autres et bien sûr avec Dieu. Et donc, c'est quoi le point le plus important ? C'est quoi, à votre avis, qu'est-ce qui va faire qu'on va surmonter ces émotions qui sont là ? On se dit, non, moi je ne vais pas y arriver. Ou je préfère garder mes distances. Qu'est-ce qui va faire toute la différence ? C'est tout simple. C'est que nos convictions sur la réconciliation deviennent tellement plus importantes que nos émotions. C'est que ma conviction, que ce soit réglé, c'est beaucoup plus important. Voilà, ça clignote même, ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi la transition. C'est ma conviction, c'est ça. Et j'apprécie tellement Isabelle, ma femme, qui a cette conviction. Dès qu'on a un conflit, elle dit « Thierry, non, on va discuter, on va prier, on ne va pas avancer avant qu'on règle ça. » Et c'est fondamental d'avoir cette conviction. Et le problème, c'est que nos émotions, souvent, sont plus fortes que notre conviction. Et on se dit, ça va aller. Et en fait, ça ne va pas. Donc, ce qui fait toute la différence, c'est de comprendre que Dieu, il avait cette conviction. Dieu, sa conviction sur la réconciliation, elle est immense. On va lire deux, trois passages. Paul, il dit, voilà, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, réconciliés avec lui. On va lire ce passage en 1 Jean 4. Où l'apôtre Jean, il dit, voilà, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. La réconciliation, en fait, c'est d'abord c'est une question d'amour. C'est si j'aime cette personne, je vais tout faire pour me réconcilier. À la base, c'est voilà, c'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimés en premier en envoyant Jésus sur terre pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et donc le but d'étudier la Bible, le but de se rapprocher de Dieu, c'est d'abord d'être réconcilié avec Dieu. Le but du baptême, quand on étudie la Bible pour être baptisé, le baptême c'est le moment où on est réconcilié avec Dieu. Et ensuite on doit entretenir cette réconciliation. On va voir l'image la plus importante de la réconciliation. Et juste, la réconciliation c'est une question d'amour et ça commence d'abord par être réconcilié avec Dieu. Et cette image c'est Jésus sur la croix. Ça, c'est la conviction de Dieu. À quel point il a voulu qu'on soit réconcilié avec lui. Voilà à quel point Dieu veut que nous soyons tous réconciliés avec lui. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour prendre nos péchés sur lui afin qu'on soit réconcilié avec lui. Ça, c'est à quel point Dieu veut qu'on soit réconcilié. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Ça, c'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié son Fils pour qu'on soit réconcilié. Et en fait, la réconciliation, ça demande toujours un sacrifice. Et ça, c'est le deuxième principe. La réconciliation demande un sacrifice. Jésus, il dit ici en Matthieu 5, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » C'est assez intéressant ici parce que Jésus, il dit, voilà, tu allais faire un sacrifice, tu allais donner, mais laisse ton sacrifice et va faire un autre sacrifice. Va faire le sacrifice d'aller te réconcilier. Va faire l'effort d'aller te réconcilier. Et si on réfléchit, pensez à quelqu'un avec qui vous avez vraiment du mal. Vous n'avez pas envie de lui parler. Je suis sûr que c'est plus facile pour vous de donner de l'argent à la collecte que d'aller vous réconcilier avec cette personne. N'est-ce pas ? Je veux dire, ah, je vais donner de l'argent aux pauvres. Ce sera mon acte d'amour pour Dieu, mais alors me réconcilier avec ce gars-là, faire l'effort de m'humilier et demander pardon et pardonner, quand même, tu demandes un peu beaucoup là, Jésus. N'est-ce pas? Alors, donnez pas d'argent. Ne prenez pas le repas du Seigneur. Allez d'abord vous réconcilier, c'est ce que Jésus dit là. Et ensuite, venez donner aux pauvres et prendre le repas du Seigneur. C'est intéressant, vous voyez, ça c'est deux personnes qui sont en conflit, un homme et une femme. Je vais raconter une petite histoire au camp qui m'est arrivée dans un des camps. Pendant un des camps, où il y a une fille qui vient vers moi et qui me dit « Thierry, écoute, j'aimerais que tu m'aides parce que je suis en conflit avec un gars et ça fait longtemps que ça dure et j'ai vraiment envie qu'on se réconcilie, mais lui, il ne veut pas me parler. » J'ai fait « Ok, d'accord, c'est une fille qui est chrétienne et le gars, il est chrétien. » Je dis « D'accord, bah, raconte-moi un petit peu. » Elle dit « Raconte un petit peu. » Elle dit « Voilà, bah, lui, il a fait ça, mais moi aussi, je suis responsable, etc. Hein, mais j'aimerais bien qu'on arrive à se réconcilier. Ça fait longtemps que ça dure. Des mois. » Je dis « Ok. » Donc, elle vient me demander de l'aide. C'est aussi un des principes dans la Bible qu'on va voir tout à l'heure. Donc moi, je vais vers le gars. Je dis, hey, gars, pas dire les prénoms. Il y a cette fille-là qui elle aimerait te parler, mais elle ressent que toi, tu veux pas trop. Et du coup, elle est mal. Qu'est-ce que t'en penses? Il me fait, oui, non, je veux pas lui parler. Je parlerai la semaine prochaine. Je dis, mais là, on est ensemble, c'est un camp chrétien, il y a une bonne ambiance, tout ça.
qu'est-ce que tu penses qu'on se parle là, aujourd'hui, demain, enfin qu'on règle le truc, quoi. Non, 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 moi je veux bien finir le camp, je veux m'éclater, et puis la semaine prochaine, je réglerai mes conflits. Puis on a commencé à parler, j'ai commencé à lui montrer des écritures sur la résolution de conflits, comme celui qu'on vient de voir. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais Thierry, tu m'obliges à me réconcilier, là. J'ai dit, non, t'as le choix. T'as toujours le choix. Mais après, tu vas vivre avec les conséquences bonnes ou mauvaises de tes choix. Donc, je t'oblige pas, mais en gros, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Est-ce que tu devrais te réconcilier et faire tous tes efforts là, maintenant, aujourd'hui, demain ? Elle, elle veut. Oh, mais Thierry ! Oh. C'était la lutte pendant une heure. J'ai dit, écoute, va te coucher, demain, tu me dis ce que tu veux faire. Le lendemain, il vient vers moi et il fait « Bon, ok, Thierry, organise un rendez-vous avec cette fille. » Bon, d'accord, on y va. Et hop, on va organiser le rendez-vous. Donc, j'étais là en tant que médiateur. Ils se sont parlé. Chacun a exprimé ses trucs. Chacun a reconnu ses fautes. Et puis, ils se sont demandé pardon. Ils se sont pardonnés. Ils se sont fait une grosse accolade. Et c'était fini, c'était réglé. Ils avaient besoin d'une aide, de quelqu'un qui va faciliter un peu la discussion. Et puis c'était fait, quoi. Et à la fin du camp, « Oh, merci, c'était génial ce camp, puis ça m'a vraiment transformé. Ah, alléluia. » Ça, c'est deux jeunes. Mais moi, j'entends parfois que des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils vont pas résoudre leur conflit. Ça fait 20 ans qu'ils n'osent pas parler à telle personne ou telle autre personne. Et on veut que les jeunes deviennent chrétiens. C'est pas sérieux. Imiter ce jeune gars qui avait peur, qui voulait pas, qui a dit « Ok, je vais chercher de l'aide, ok, on va le faire. » Et on va le faire. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. En disant la vérité avec amour. Ce que j'entends souvent, c'est « Non, je vais pas lui dire parce qu'il va mal le prendre. Non, je vais... Non, 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 il va péter un câble. Elle va péter un câble si je lui dis ce que je pense. Donc on va juste être sympa, on va pas trop se dire les choses. » En disant la vérité dans l'amour, on va grandir. Qu'est-ce que tu penses d'aller lui parler ? Oh non, 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 il va... Mais peut-être prends quelqu'un avec toi pour t'aider à parler. Que ça se passe bien, que ça se passe dans l'amour. Parce que souvent, quand on veut résoudre un conflit, on a nos émotions. Donc on se dit, non, mais moi aussi, je vais péter un câble. Et il va péter un câble, je vais péter un... Ah, bah, ok, prends quelqu'un avec toi pour t'aider. Et puis ça va aller. Ma première année de mariage, avec ma femme qui est là, depuis maintenant 30 ans, c'était dingue le nombre de conflits qu'on avait. Chaque semaine, c'était fou. On se parlait, c'était intense, et puis on n'y arrivait pas. Puis moi, j'appelais mes amis, j'appelais « Allô, Adrien, tu peux nous aider ? Allô, Brian, tu peux nous aider ? Allô, Frédéric ? Allô, venez nous aider, parce que... » Et on a fait ce travail. Et puis la deuxième année, c'était un peu mieux. Et puis la troisième année, un peu mieux. Et puis là, 30 ans plus tard, on va repartir en voyage de noces. Mais c'est un progrès, en fait. C'est un entretien. On continue, on fait ce travail-là et on purifie nos cœurs et on se rapproche les uns des autres et on purifie notre cœur avec Dieu et on se rapproche de Dieu. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, Christ. Si on ne règle pas les conflits qu'on a, on ne grandit pas. On reste et peut-être même on régresse. On va finir par le modèle de Matthieu 18, on va aller assez vite, mais Matthieu 18, c'est un peu le chapitre modèle sur la résolution des conflits. Ça commence par l'humilité. C'est pourquoi quiconque prend la place humble de cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. La résolution de conflits, ça commence par être ouvert à ma part de responsabilité. Peut-être que moi aussi, j'ai fauté dans l'affaire. Parce que nous, on se dit, non, mais c'est l'autre qui a fauté. Moi pas, moi tu comprends, je suis quand même... Hein ? Non, 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 t'es aveugle. C'est ça le problème. C'est que t'as ta part d'aveuglement. Donc écoute, et si t'arrives pas à entendre, ben, prends quelqu'un d'autre peut-être, mais sois humble, comme un petit enfant. Et ouvre les oreilles. Et c'est pour ça que Jésus dit tout le temps que celui qui a des oreilles entende. Ensuite, donc partir avec l'humilité. Ensuite, avoir la conviction sur le péché. Si ta main ou ton pied te fait trébucher, coupe-le ou jette-le. C'est reconnaître, accepter. Si,
Si ma femme me dit, Thierry, là, tu étais plutôt égoïste ou paresseux, ma première attitude, mais non, non. Et puis, ok, tu réfléchis. Ouais, c'est vrai, j'étais paresseux. T'as raison, je vais couper ça. Aide-moi à plus être paresseux. Reconnaître, on est tous pêcheurs, sauf personne. Okay. Reconnaître, c'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Ensuite, le but, c'est de sauver tout le monde. De même, votre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits enfants périsse. La résolution de conflit, c'est une question de salut à la fin. C'est être avec Dieu pour l'éternité. D'abord, parler seul à seul et pas parler à quelqu'un d'autre. Hey, Mathis, tu sais quoi, avec Richard, tu sais que Richard, il est grave quand même. Hein. Tu sais ce qu'il a fait? Ça va pas, ça. Je vais parler à Richard. Et si on ne s'entend pas, eh ben, je vais demander de l'aide. Versets 16 et 17, prends avec toi de l'aide, des témoins, de l'église, etc. pour aller jusqu'au bout. Ce qu'ont fait ces deux jeunes au camp. Prends de l'aide pour aller résoudre le conflit. Et ça, c'est pas culturel. Les gens ne vont pas demander de l'aide. Quand ils ont des conflits, ils ne vont pas demander de l'aide. Ils essayent entre eux, ça ne marche pas, allez hop, on s'éloigne. Mais c'est fondamental l'aide. Je connais aucun couple qui a réussi sans aide. On a toujours besoin d'aide. Dans les relations, on a toujours besoin d'aide, que quelqu'un nous dise, que quelqu'un nous montre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'amis, des confidents, des personnes qui nous connaissent, des personnes qui peuvent nous aider avec l'aide. Et à la fin, pardonne de tout ton cœur. Et à la fin du Matthieu 18, c'est vraiment fort, parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, voilà, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnera pas à son frère de tout son cœur. À la fin, je te pardonne vraiment. Et c'est assez marrant parce que cette histoire de pardon, moi souvent j'entends, ouais, je lui ai pardonné, mais on va quand même garder nos distances. On va pas être les meilleurs amis. Mais non, je lui ai pardonné. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Il nous a pardonné, mais il ne veut pas de relation avec nous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait pour vous. Il vous a pardonné vos péchés et après il a dit, vas-y, va-t'en de l'église, c'est bon, je ne veux pas de relation avec toi. Mais je t'ai pardonné. C'est pas ce que Jésus a fait. Pierre l'a renié, les apôtres l'ont abandonné. À la fin, il a vraiment pardonné tout son cœur, il a redonné tout son cœur. Le pardon de Dieu, c'est je te redonne tout mon cœur, entièrement. Je veux redevenir ami, meilleur ami avec toi. Et je ne vais pas juste garder ma distance parce que tu m'as blessé. Ok, ça veut dire, je ne t'ai pas encore complètement pardonné. Et on va continuer le travail pour résoudre comme Jésus a résolu le truc. Vous savez, c'est marrant cette histoire de conséquences et de réconciliation. En fait, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous pouvez le tuer. Si je suis en conflit avec Esteban, il m'énerve, je peux le tuer. Mais pourquoi je ne vais pas le tuer? Parce que la conséquence, elle est terrible. Pour lui, pour moi, je vais en prison, lui, il est mort. Enfin, c'est terrible. Donc, je ne vais pas le tuer. Parce que je comprends qu'il y a des conséquences terribles. Mais en fait, le problème avec la réconciliation, c'est qu'on pense que si je ne me réconcilie pas, ce n'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Vous suivez? Oui. Dites, non, ce n'est pas grave si je ne me réconcilie pas, il n'y aura pas de conséquences. En fait, Jésus dit, si tu vas être traité, tu vas souffrir si tu te réconcilies pas. T'es mal, mon gars. T'es mal. Si tu pardonnes pas tout ton cœur, t'es mal. Ah, la conséquence, elle est aussi terrible que si je le tue. Bah ouais. Ça, c'est à quel point la réconciliation est importante pour Dieu. La conviction. Vous vous souvenez la diapo où on avait le mot réconciliation qui grandissait comme ça? Ça, c'est à quel point le Dieu, il veut qu'on se réconcilie avec lui et les uns avec les autres. Alors, on va prendre le repas du Seigneur pour finir et J'aime beaucoup cette image parce que quand Jésus il a pris ce dernier repas, il a pris ce pain et il l'a rompu. Il dit, voilà, on lit. Ensuite, il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Donc, il prend ce pain, il le rompt. Moi, j'ai pris un pain aujourd'hui. C'est le pain qui symbolise le corps de Jésus qui a été rompu sur la croix. Et puis il le donne aux disciples et il dit ensuite faites ceci
en souvenir de moi. Et je pense qu'il nous parle de vraiment prendre un pain, le rompre et ensuite le partager. Et c'est ce qu'on va faire. On va manger ce pain tout à l'heure. Mais ce qui est marrant, là on est en Luc 22 et ensuite Jésus il meurt, il est ressuscité et puis il se balade avec des disciples et puis ils avaient du mal à le reconnaître et en fait il mange avec eux, donc là c'est après la résurrection, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est frappant ça, en fait. Jésus, il fait exactement ce qu'il avait fait pendant le dernier repas. Il le fait avec ses disciples, il rompt le pain en souvenir de ce qu'il vient de faire, en fait, qu'il a sacrifié son corps. Et puis là, les disciples font, oh, c'est Jésus. Et donc, on va prendre le repas du Seigneur et en le prenant, j'espère que vos yeux s'ouvrent et que vous le reconnaissez aussi. Qu'il est mort pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu et qu'on soit réconcilié les uns avec les autres. Donc, on va prendre le pain et le vin maintenant. Et en priant, j'aimerais nous encourager à prier pour... vraiment exprimer à Dieu à quel point on va être réconcilié et qu'il nous donne la force pour faire ce travail, que ce soit avec lui ou les uns avec les autres. Et Lara va venir maintenant pour prier pour le repas du Seigneur.